L'objectif, c'est de sortir du groupe et de se qualifier pour la phase à élimination directe. Qui sortira victorieux de ce face-à-face? Restez avec nous pour le savoir. Salut à toutes et à tous, c'est une soirée absolument idéale pour jouer au foot. Ça donne presque envie d'y aller. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateur pour vous faire vivre ce match. Deuxième journée de phase de groupe dans cet Euro 2024. Les Pays-Bas affrontent la France. La victoire ouvre la porte vers une nouvelle vie. Ce match, c'est une finale à gagner. Vamos! Les titulaires côté français, les voilà. Lucas Hernandez avec Benjamin Pavard en défense centrale. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et enfin donc, en attaque, Olivier Giroud. Bon ballon en retrait. Et une frappe en force qui finit dans la tribune. Cette distance en plus, pas terrible du tout. Benjamin Pavard. Et ça va sur Théo Hernandez. Tapez la frappe à la parade, mais le danger est toujours présent. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Le score qui ne bouge pas grâce à cet arrêt magnifique très tôt dans le match. Et peut-être que cette parade, ça leur a fait l'effet d'un coup de fouet. L'arbitre laisse l'avantage. Et ici l'occasion pour mener. Oh, c'est repoussé, mais attention, c'est pas fini. Et l'action interrompue. Et oui, c'est terminé, il y a une position de hors-jeu. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le Français va réaliser. Et oui, sa capacité à conserver le ballon, à ne jamais se sentir sous pression balle au pied. Son aptitude incroyable. Ousmane Dembélé. Ouh, le but tout seul, le golazo de Dembélé. Ousmane, la gloire, il ne l'attend pas. Il la convoque. Ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et à la fin, un zapatazo pour tromper le gardien. C'est un mariage d'amour entre la précision et la puissance. C'est reparti, les Pays-Bas sont menés d'un but. On attend la réaction maintenant. Les Pays-Bas peuvent mettre en place une attaque. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Le ballon pour Frankie de Jong. Ah, la frappe pour l'égalisation peut-être. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Et cette action s'arrête là. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Il va falloir déclencher, là. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. On n'est pas passé loin des légalisations avec cette frappe. Cet arrêt est absolument décisif. Et on va voir leur réaction après cette intervention. Le ballon récupéré par les Pays-Bas. Giroud avec Antoine Griezmann. Ah, le contre est possible. Ah, c'est dommage, il y avait une bonne situation à jouer sur ce contre, mais le ballon est rendu à l'adversaire.
Memphis. Ah, il se défait là, l'adversaire direct. De paille. Et quel arrêt sur ce ballon, le danger est écarté. Superbe réflexe. En général, à cette distance, ça fait but. Ah, le corner, bien tiré. Oh, la parade exceptionnelle. Tout le monde l'a vu dedans, cette tête. Eh oui, tout le monde, sauf le gardien. Quel arrêt hallucinant. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Et oui, bien aidé là sur cette action. Le ballon est récupéré. Et peut-être une option pour une contre-attaque. Avec Kylian Mbappé. Et voilà, une passe à l'adversaire. Memphis. Oui, bien fait ça. Trajectoire bien coupée en pleine surface. Tchouaméni. Et c'est pour Lucas Hernandez. Dembélé. Un ballon intercepté. Bonne intervention. Le drapeau est levé. Position de hors-jeu. De Jong. Eh oui, c'est bien défendu. Coupe Miners. Ryan Brobby. L'arbitre laisse jouer. Avantage selon lui. Sans problème dans les bras du gardien. Lucas Hernandez. Ballon pour Antoine Griezmann. Excellente intervention. Ballon repris à l'adversaire. Dembélé. Le ballon pour Kylian Mbappé. Voilà le but qui fait la différence. Le break est fait. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et la conclusion, tout en puissance, tout en équilibre, tout en énergie du grand Kylian Mbappé. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Daniel Malen. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Ouais, il résiste bien à la pression. De Jong. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et l'équipe de France qui progresse. Théo Hernandez avec le ballon. Et oui, avec Mbappé. Ballon pour Antoine Griezmann. Ah, la frappe est bonne, ça passe de peu à côté.
Frankie de Jong. Bobby. Ah non, ce ballon est perdu. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Ousmane Dembélé. Et ce ballon qui est perdu. Benjamin Pavard. C'est bientôt la pause. La France est en train de livrer une première mi-temps de grande qualité. Le match n'est pas fini, évidemment. Mais ces deux buts d'écart, c'est la signature d'une équipe qui domine le jeu et l'enjeu de ce match. Allez, le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Coupe Miners. Il y a du soutien en attaque. Xavi Simons. La passe est mal assurée. C'est perdu. Giroud. Le ballon transmis à Rabiot. À la réception, Coupe Miners. De Jong. Xavi Simons. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Petit aparté, le temps pour nous de signaler la qualité de sa performance en attaque. Et oui, défendre sur lui, ça te rend fébrile parce qu'il apparaît même quand tu ne l'attends pas. Il peut marquer à tout moment. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Oui, bonne intervention. L'attaque se poursuit, balle au pied. Il faut centrer là-dessus. Attention, Kylian Mbappé. Interception décisive dans la surface. Est-ce que ça va partir en contre là? Oh, le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité. Et c'est donc un carton jaune. Ça semble parfaitement justifié. C'est bien frappé dans la surface. Tchouaméni là qui renvoie. Griezmann. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Oh, et la parade. De Jong. Et à l'ancienne, le dégagement en touche. Voilà, le remplacement intervient. Vous le voyez, mais rappelons-le, il y aura encore plus de football prochainement. Quand on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Et nous vous rappelons ce match à venir, ce choc à suivre très bientôt ensemble. Et oui, quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer.
Jules Koundé. Le pressing sur Jules Koundé. Giroud. Avec un peu d'espace sur son aile. Centre vers Mbappé. Le dégagement de Van Dijk. Nathan Aké. Le ballon pour Malen. Coupe Mainers. Frankie de Jong. On a bien fait la différence qui est faite là-dessus. Et non, pas de réussite sur cette action. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Adrien Rabiot. Le ballon pour Lucas Hernandez. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Ah là là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce qu'on va dire à l'arbitre? Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement appliqué. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Avec Antoine Griezmann. Elle attaque. Ouh, la faute là, et ça donne un très bon coup franc. Et le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc. Giroud. On va taper la frappe. Daniel Malen. Gakpo. Ouais, super geste défensif, sans commettre de faute. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Griezmann. Avec Théo Hernandez. Il y a des possibilités là pour Kylian Mbappé. Ballon pour Antoine Griezmann. Ouais, le ballon est bien intercepté. Et le contre est possible maintenant. Daniel Malen reçoit la balle. Oh, superbe réflexe! Un nouveau corner à jouer. Et duel remporté dans la surface. Et c'est un nouveau corner. En retrait dans la surface. Quelle intervention, elle est hyper importante.
Pénalty, la faute est signalée par l'arbitre. Penalty est repoussé par le gardien. Et il se défait à l'adversaire direct. Oh, le ballon intéressant. Goal! Et oui, bien joué pour revenir dans ce match. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Voilà, c'est reparti dans ce match. Et le score maintenant est de 2-1. Il y a du monde là, quelques possibilités. Passe coupée au bon moment, bien joué. Un face-à-face à négocier. Bien joué, super intervention, le danger était imminent. Et le ballon rendu à l'adversaire suite à ce dégagement. Ballon pour Antoine Griezmann. Ça continue avec Rabiot. Rabiot. Et un arrêt extrêmement important car il leur donne encore le droit de rêver. Et ce n'est pas encore fini. L'égalisation est encore possible. Mbappé la frappe et le ballon rase le poteau. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Théo Hernandez. Ouais, circulation de balle sans prendre de risque pour tenir ce résultat. Aurélien Tchouaméni. Bonne intervention, la passe est interceptée. Minutes encore à jouer dans ce match. Aïe aïe aïe, ballon perdu. Memphis, le long ballon en retrait. Ballon pour égaliser. Ouais, la parade. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Et peut-être une chance d'égaliser in extremis avec ce corner. Deuxième tir de corner. Là, c'est capté sans aucun souci par Mike Maignan.
Rabiot. Pour Marcus Thuram. Ousmane Dembélé avec le ballon. Une possibilité là pour centrer. Oh, la balle de match. Et c'est fait, c'est au fond. Et c'est sans doute le but qui vient sceller la rencontre. Et oui, on sentait que ça allait arriver, que ça bougeait très fort. On sentait que la branche allait casser. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Tony Elmalen. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Marcus Thuram. Mais non, l'arbitre qui revient à la faute, l'avantage ne profitera pas. Et voilà, c'est terminé, qualification pour l'équipe de France. Direction, le tour suivant. La balade bleue continue, vamos!